Bonjour docteur, nous sommes très heureux de cette disponibilité que vous nous accordez pour notre interview. Bien avant de commencer, nous avons laissé quelques temps, quelques secondes. Nous sommes au cœur de la nouvelle année 2021. Cette année 2021, nous voudrions que vous souhaitiez vos voeux d'abord aux fils et aux filles des deux régions que vous avez fait, la région du Guémon et du Kabali. Ensuite, vos voeux aux cadres élus et puis vos voeux au monde culturel et artistique. Merci, monsieur le DG de la télévision en ligne Info Gaïa. Mon cher frère, nous sommes gays, c'est ça, il est bon. Nous arrivons vraiment dans mes locaux. Je suis situé ici à mon bureau, au plateau, à l'immeuble général. C'est sur ce bouchon pour un peu. Franchement, merci d'être là ce matin. Pour commencer, comme tu l'as demandé, je suis qui n'a pas demandé, il allait le faire. Je ne peux pas commencer l'émission sans présenter mes vœux à ma population. Voilà. Je présente mes vœux de bonheur, de paix, de santé à toute la population du Guémon et du Kabali. Aux artistes aussi, mes voeux les meilleurs. Aux élus, les cadres, mes collaborateurs, mes collègues, je leur prie mes voeux de santé, de paix et de cohésion sociale. Pour la petite histoire, comme tu l'as parlé, je connais mieux le Kavali, aussi bien que le Guémon. J'ai travaillé, j'ai servi à Bouletin pendant 3 à 4 ans. Juste après la crise, j'ai été à Bouletin. J'ai connu pratiquement toute la région de Kibo jusqu'à Toulouse. Je suis natif de Kibo, ma mère vient de Bangoro. Donc toute la région aussi du Guémon, c'est chez moi. Donc chez moi, le meilleur à toute cette population, des deux régions. Ouais. Merci docteur. Alors, de vos fonctions de docteur, vous retrouvez à la politique. Alors, docteur, expliquez-nous un peu comment s'est passée cette action. Il y a quoi de compatibilité? Le médecin, ça c'est la profession. La politique, c'est le métier. Ça y est, des conversions. Mais je suis toujours médecin. Mais ici, vous me voyez, c'est parce que je suis administrateur, je ne suis plus habitant. Je suis spécialisé en santé publique, c'est la partie administration chez nous. Voilà. Sinon, je suis toujours médecin. Voilà. Ici, je suis chef de service de l'évaluation. Voilà. J'ai les données de santé en Côte d'Ivoire. La politique, ça a été une passion. Ça a été une passion. Tout jeune, tout petit, dans les années 85, 90, quand on suivait les gens au village. On s'approchait au vécu des leaders politiques. Après les 90,
il y a quelqu'un qui est rentré dans la politique, qui a été un leader pour nous tous, Laurent Gbagbo. Bon. Et puis comme ça, ça a été un apprentissage et qui devait vous donner la réalité. Il n'y a pas de compatibilité entre le travail de médecin et de politique. Il a dit, le médecin et le professeur agrégé. Jésus m'a dit, il est professeur agrégé. Tout ça, il m'a enseigné. Bonny, on est amant, il est urologue. Ils ont été mes enseignants. Ils sont médecins. Docteur, dans votre passion pour la politique, qui vous a le plus marqué et qui vous a donné la passion d'aimer la politique? Qui vous avez aimé en politique et vous avez décidé d'y entrer? Bon, c'est une question un peu délicate, mais je vais répondre avec un peu de délicatesse aussi. Lui qui m'a passionné, qui m'a vraiment passionné, je peux dire mon idole en politique, c'est Laurent Gbagbo, évidemment. Ouais. J'ai aimé sa façon de faire la politique. Il a été le père pour moi de la démocratie. Mais aussi, j'ai aimé aussi certains leaders politiques. Ouais. J'ai aimé plein de leaders politiques aussi. Même les futurs dirigeants, ils ont une manière aussi qui. Même si on voit que, mais quand même, lui qui a été mon idole, mon père spirituel en politique, c'est vraiment. Docteur, alors comment votre rencontre avec le docteur Cerudo Célestin s'est produit? À quel moment l'avez rencontré et comment vous êtes rentré au conseil régional du Guémou? Cerudo, on a pratiquement la même histoire. En plus, c'est mon oncle. Disons, ma mère vient de Bangalore, lui est de Bangalore. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, on a eu la même culture étudiantine au campus, il était dirigeant à Pogo 2, bon nous on était jeunes, hein, on était au campus, mais quand même on faisait le premier pas à la FESI, après nous j'étais même fondateur du CINES, qui a été le premier syndicat des étudiants en médecine, c'est comme ça, moi, je passe plus que alors en médecine, après le temps comme on fait plus partie, on nous était déjà de rentrer à la FESI. Donc nous qui avons la culture, qui avons le. Qui voulait faire du syndicalisme, on a créé notre syndicat. Le CINES. J'ai existé entre nous. J'ai été mon fondateur, celui de l'organisation. Donc c'est comme ça, c'est le beau. Je l'aimais, bon, sa façon de travailler. À voir, il n'avait rien. Pour moi aussi, bon, audacieux. Le peu qu'il gagnait, ses amis investissaient dans l'immobilier, dans. Plein de choses. Lui, il prenait, si aujourd'hui il gagne, c'est un enfant, il paye une chaise, il envoie au village, à ses parents. Il paye une moto, donne aux jeunes, il fait de taxer une moto. C'est une manière d'aider. Il a voulu aider les jeunes. Il aide les jeunes. Moi aussi, je me suis dans cette optique. C'est comme ça, nous deux, par compatibilité, on a été ensemble. On a commencé pratiquement les mêmes années. Juste après la crise, il a commencé, lui, de façon régionale. Moi, j'étais à public, j'ai commencé un peu. Et c'est comme ça. En 2016, j'étais candidat. Moi, j'étais candidat avant lui, aux législatives à Public. Lui, il m'a soutenu moralement et financièrement, maintenant. Et comme ça, il a vu quand même que j'ai monté un peu en code de popularité. Au régional, on s'est appelé, on s'est retrouvé comme grand frère, petit frère, comme on le fait actuellement. Et on dit, bon, ok, bon, on peut partir, il est lui. Bon, et puis, c'est comme ça, on est parti. Et Dieu voulant, on a gagné. Docteur, vous êtes entré dans une équipe avec le docteur Cerudo Célestin. Vous avez gagné au régional. Vous étiez sûr de gagner cette élection régionale à l'époque? Vous savez, il y a des gens qui ont quitté Cerudo pour ne pas dire qu'ils ont quitté l'équipe du conseil régional. Quand on s'apprêtait à partir, ces gens aujourd'hui le regrettent. Il y a des gens qui seraient aujourd'hui vice-président ou bien conseiller régional, mais qui ne croyaient pas aux chances de l'équipe, ou bien aux chances de Cerudo. Ils ne pensaient pas que Cerudo pouvait, par exemple, gagner des dinosaures comme Mia Bévaris, comme Black Privat, comme Dossimon. Quand on partait au régional, on était la seule équipe où il n'y avait pas de leader. Cerudo n'était pas élu, moi je n'étais pas élu. Toute l'équipe, on n'y avait pas de lui. Notre directeur de campagne, personne n'était des élus. Mais tous nos opposants étaient des élus. Évariste Mirabi était président du conseil régional sortant et député à l'Assemblée nationale. Roi Privat, vice-président de l'Assemblée nationale. Il était à Flamizara, député. De Simon, député. Yuté Innocent, mon frère de Kubli, député. Donc, nous, c'est notre équipe. Mais moi, j'ai cru, je savais qu'on avait gagné. Si on avait gagné, il n'avait pas nous mettre mon énergie. Je savais. Et j'ai confiance encore à notre équipe. Ok,
Président, nous sortons des élections présidentielles de 2020. À votre niveau, quel bilan dressez-vous de ces élections vis-à-vis des régions ouais. Bon, je n'ai pas trop l'envie de me prononcer sur ce sujet. Je n'ai pas trop l'envie parce que c'est un sujet un peu qui dépasse le cadre de la région de Guémé-Cavalli, qui est national. Mais en tant que jeune leader quand même, je peux donner juste un petit avis dessus. Je pense que c'est le bilan est négatif. Une élection en Côte d'Ivoire. J'ai déjà eu près de 88 morts. Le bilan est largement négatif. Parce que, vous savez, nos autorités, les leaders africains, les dirigeants africains, ils écrivent des lois, des tests qui ne respectent pas. Si tu ne respectes pas les tests que tu as écrits, il va y avoir des morts. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Il faut qu'on pense à mettre des mécanismes de prévention de ces genres de conflits en place. L'Afrique a trop payé pour ça. Le Guémé n'est pas en reste. On a payé le lit depuis 2002 pour ces crises-là. Il faut qu'on en finisse avec. Président, on parle de développement et là nous allons nous intéresser à la question des routes. Alors, selon vous, qu'est-ce qui accuse ce grand retard au niveau des routes dans nos départements qui composent la région du Guémé? Vous savez, la Côte d'Ivoire dégage des ressources économiques énormes. Nous sommes en Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui sont en voie de développement. Mais les ressources, vous le remarquez bien, les ressources dans nos pays pour des raisons politiques connaissent une répartition inégale. La répartition n'est pas équitable. C'est-à-dire, soit on dit Taou, bon, dans le Guémé, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de. Il n'y a personne qui soit à le pouvoir en place. Donc, on reste comme ça. Logiquement, pour un bon dirigeant, les répartitions doivent être équitables. Les ressources. C'est comme ça. Depuis 2000, pour ne pas dire 2002, 2010, depuis 2000, vous voyez par exemple, Diopé, il y a beaucoup d'autres qui ne savent pas. Diopé n'a pas le conseil régional, le conseil général. Il n'y a aucune action de développement dans le département de Diopé. Kubi n'a pas de conseil général. On a pris beaucoup de retard. On pensait que si certaines personnes arrivaient avec ce qu'on a subi dans le Guémé et Kavali, ils pensaient que les gars, il y a un mal à corriger cette disparité, cette inégalité. Mais je vois que rien n'a changé dans le Guémé. Aujourd'hui, ça aide. Il faut qu'on dise quand même merci au président Sérédou qui a amorcé vraiment nos stratégies de développement dans la région. Tous les départements étaient inaccessibles. On avait un véritable problème d'accessibilité géographique. On ne pouvait pas quitter Bangui pour la Kubi. On ne pouvait pas quitter Mam pour la Kubi. Diokoy Kubi, là, ça n'existe même pas. Des pistes impraticables. En période de pluie. On est vraiment en retard. On pensait que si certaines personnes arrivaient avec ce qu'on a subi dans le Guémé et Kavali, ils pensaient que les gars, quand même, allaient corriger cette disparité, cette inégalité. Je vois que rien n'a changé dans le Guémé. Aujourd'hui, ça aide. Il faut qu'on dise quand même merci au président Sérédou qui a amorcé vraiment même stratégie de développement dans la région. Tous les départements étaient inaccessibles. On avait un véritable problème d'accessibilité géographique. On ne pouvait pas quitter Bangui pour aller à Kubi. On ne pouvait pas quitter Mam pour aller à Kubi. Diokoy Kubi, là, ça n'existe même pas. Des pistes impraticables en période de pluie. On est vraiment en retard. Déjà, on nous fait des promesses de bitume sur l'as publiquement, mais aujourd'hui, les promesses ne sont pas tenues. On est là, on regarde. Tu as ton petit véhicule aujourd'hui, tu ne peux même pas optionner ta région. Pour conclure, pour dire qu'il y a des ressources en Côte d'Ivoire, mais la répartition n'est pas équitable. Il faut qu'on répartisse. On laisse les problèmes politiques et on répartisse les ressources. Président, pourquoi tant de passion pour la culture, pour la musique tradie moderne ouais?
au point d'avoir mis en place cet événement qui connaît aujourd'hui un succès classe musicale. Cette histoire, je suis un enfant du terroir. Je suis né au village. Moi, j'ai mis pied pour la première fois à Abidjan en 1996 après mon bac. Je ne connais pas Abidjan, les études qu'on a menées. On a chanté beaucoup au village. Je suis imprégné dans la culture, tout ce qui est culture traditionnelle au village, je suis imprégné dedans. Je suis en train de construire des trains de maïs, je suis en train de faire. Non, mais le village maternel, le plus grand maçon de la paix qui est blanc, je suis en train de faire son camp. Je suis imprégné dans la culture, je suis né dans la culture. Mes parents maternels de Dabi sont dans la culture. Chez moi aussi, nous sommes dans la culture. Donc j'aime la culture comme ça. C'est inné à moi. On a chanté un peu avant le village. Voici la raison aussi que j'aime les artistes, ouais, le folklore, ouais, mais ceci est quand même l'ancien appel, il faut qu'ils se réorganisent et de voir comment structurer leur musique. Vous avez mis en place le clash musical, la deuxième édition a eu lieu, vous êtes le parrain à vie, mais vous n'avez pas l'impression que la musique tradie moderne, ouais, n'est limitée seulement qu'au niveau des régions, ouais, n'est pas écoutée aussi. Ouais, j'ai parlé de réorganisation du système. Mm-hmm. C'est ça, c'est ça que j'ai parlé. Il faut que les managers, il faut que les gars réorganisent le système. Tu vas prendre comme ça un gars comme Jurès, Samoura, Pauline Lesieti, Paylenou, ainsi de suite, Claude Romy. Non, moi, c'est le grand star de la musique, c'est le grand créateur. Ouais, il faut que les gars réorganisent le système. Et puis les gars revoient leurs ambitions. Voilà. Il faut que les gars revoient leurs ambitions. Voilà. Comment faire pour émerger? Quand tu vois, quand tu te limites à toi-même, tu dis non, ok, j'ai chanté pour mon village, tu as chanté pour ton village. Mais quand tu dis, bon, je vais faire ça, toi. Demande à l'idée à combien d'articles sont déclarés au Bilida, qui sont payés par le Bilida. Voilà. Donc, il faut que les gens réorganisent le système. Voilà. Donc, sinon, franchement, je suis prêt aussi à les aider à réorganiser le système. Voilà. Je suis en train de devenir producteur d'artistes aussi, ouais. C'est une manière de détruire la jeunesse, voilà. Président, vous êtes vice-président du conseil régional du Guémont. Alors, quelles sont les fonctions que vous occupez? Je veux dire, quelle est l'activité qui est liée à votre fonction de vice-président au conseil régional? Je n'ai pas bien saisi la question. Vous êtes vice-président au conseil régional du Guémont. Oui. Alors, en quoi consistent vos fonctions au sein du conseil? Je suis vice-président, je suis... En matière de développement, on élabore la stratégie de développement de nos régions. Maintenant, bon, ma fonction. Je vais dire. Mon attribution. Tout à fait, c'est voilà, ça. L'attribution, oui. C'est pas ma fonction, c'est pas votre fonction. Attribution. Sinon, ma fonction, c'est le poste de vice-président. Mm-hmm. Voilà. Mon attribution, je suis vice-président en charge de l'affaire sociale. De l'affaire sociale. D'accord. Tout ce qui est social. Voilà. Alors, on peut faire un petit bilan au niveau des affaires sociales. Qu'est-ce que vous avez apporté en faveur du peuple ouais pour ce qui vous concerne? Je n'ai pas trop l'envie de parler d'une organisation que je ne dirige pas. Parce que, franchement, avant de faire cette interview, je n'ai pas eu la caution de mon leadership. Voilà. D'accord. Voilà, donc je ne peux pas parler de l'organisation qui dirige. Président, c'est bientôt les élections législatives. On parlera aussi très bientôt des élections municipales et des élections régionales. Pour l'heure, ce sont les élections législatives. Vous avez déjà été candidat aux élections législatives. Est-ce que pour cette année encore, vous avez l'ambition d'être candidat aux élections législatives? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Bon, en 2016, ça dit 5 ans en arrière, j'étais encore très jeune, sans grand moyen, comme président, j'ai été candidat, j'ai eu le courage d'être candidat, c'est pas maintenant où je suis au conseil régional, je suis vice-président, j'ai un peu d'atout, j'ai un peu une expérience politique, sociale. Et je veux désister. Je suis très bien candidat aux législatives prochaines du 6 mars à février. Je suis candidat. Pour mon peuple, je suis candidat. Pour ma nation, je suis candidat. Pour les Ivoiriens, je suis candidat. Pourquoi je le dis? Vous savez, la Côte d'Ivoire est en train d'annoncer
la deuxième phase de sa croissance démographique. C'est-à-dire, il y a le taux de, on appelle, de naissance qui monte et la mortalité descend. Ouais, on est actuellement à 60 à 70% une population jeune, avec 60 à 70% de jeunes, considérés jeunes. Donc, ces jeunes-là, il faut que parfois, en plus des fois, on prenne une responsabilité. On va prendre une responsabilité. Et puis, moi, je ne fais pas de l'accession au pouvoir une obsession. Parfois, tu peux rester là. Si tu veux le bien de ta population, il faut être quelque part là où tu peux critiquer le pouvoir, ou bien tu peux empêcher le pouvoir d'imposer des lois à ta nation. Là aussi, c'est ça. Tu vois, la Côte d'Ivoire est un grand pays démocratique. Ou bien, pour ne pas dire, nous amorçons la démocratie, la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal qu'à l'Assemblée nationale, on ait une Assemblée nationale monocolore. Où un seul parti va imposer, va dicter ses lois à toute une nation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer pour ça. Donc, il faut que nous aussi, on rentre à cette position-là pour le bien-être de nos populations. Président, si vous êtes élu député de la nation, vous tenez beaucoup à être élu député de la nation. Si vous êtes élu député de la nation, qu'est-ce que vous comptez vraiment faire au niveau de l'Assemblée nationale? Je serai élu député, c'est pas si. On le sait. Vous serez élu député. Je serai élu député, c'est pas. C'est le futur député de la République qui n'est pas en face. J'ai la ferme conviction. J'ai travaillé à 10 mois pour arriver à ça. Je suis courageux. Je travaille. Je vais y arriver. J'ai deux étiquettes. La première étiquette que j'ai déjà, acteur de développement de la région, qui mène la direction dans la région, la santé, l'éducation, la révolution du transport, c'est-à-dire les routes, et puis une autre étiquette de législatif qui va, sera là de, il va élaborer les lois, qui va défendre les lois à l'Assemblée nationale. Donc pour moi, il y a des lois qui passent à la population n'est même pas informée. Mais il faut que nous aussi, on arrive là-bas pour ne pas que les gens manipulent nos tests. C'est ça, pour le bien-être de nos populations. La Côte d'Ivoire, j'ai confiance en moi-même. Tous ceux qui marchent à moi me connaissent pour ça. La rigueur dans le travail. C'est comme ça. Il faut que ces gens-là arrivent à l'Assemblée nationale. Il ne faudrait pas qu'on ait des assemblées nationales où des gens viennent, ils soulèvent les doigts, ils ne parlent pas, on ne les connaît pas, ils viennent. Quand ils vont dire oui, ils soulèvent les doigts, ils sont bons. C'est pas ça, l'Assemblée nationale. J'ai rencontré une petite anecdote, je ne sais pas pour taquiner quelqu'un. En 90, Laurent Gbagbo a été élu député de Ouagadougou. La même année, Feu, père son âme, ici, le dirigeant de l'UTB, là. Sikan, c'est ça. Il a été député. Arrivé à l'Assemblée, lui, on est PDCI. Il est député PDCI. Gbagbo est député FPI. C'est-à-dire, lui, son problème à l'Assemblée, quand il y a siège, et il y a Laurent Gbagbo. Quand on dit une loi, quand Laurent Gbagbo soulève le droit, pour lui soulève le droit contre. On regarde. Donc, lui, ton problème, c'est Laurent Gbagbo irréel. Il y a une loi que vous appelez, vous avez proposé pour augmenter l'indemnité des députés. Laurent Gbagbo a dit oui, et Ziga a dit non. Il faut que vraiment on évite ce genre de situation. Il faut mettre des cadres qui peuvent défendre les régions en Assemblée nationale. Même si les gars, même la Côte d'Ivoire pouvait poser une loi, même pour entrer à l'Assemblée nationale, il faut des gens qui ont un certain niveau mental, ça va être un peu bien. Il ne faudrait pas des suiveurs, des gens qui peuvent rien apporter, qui ne peuvent pas mener des débats avec leurs camarades. Ça n'existe pas chez nous à Cuba, mais de façon nationale, j'en parle. Voilà. Ça n'existe pas dans le Guémon, il ne parle pas du Guémon, mais de façon nationale. Parce que je suis proche de telle personne, je suis un bénévole, je suis un cousin, je suis sa belle, son beau-frère, on va te prendre, on va te jeter. Des députés qui s'asseyent dans les assemblées pour insulter les gens. Non, non, c'est pas normal ça. La Côte d'Ivoire n'a plus bien de ça. Il faut des cadres. On a une population très jeune qui révèle de vrais cadres. C'est comme ça. Il faut que nos parents aussi. C'est dommage en Afrique. Nos dirigeants, les dirigeants se disent en Afrique, quand le père vit, il n'est pas de sa succession. Mais il faut que les gens aussi soient responsables. Nous aussi. On a besoin d'être là aujourd'hui. On a besoin d'être là. Il faut
pour qu'ils sachent prendre les notes. Président, nous sommes à la fin de notre interview. Notre dernière question à vous de nous laisser donner le mot de fin. Aujourd'hui, le constat est clair. Vous êtes beaucoup sollicité par la jeunesse quand ils ont des activités. Nous constatons que au cœur des leaders élus, que ce soit du Guémo ou du Cavali, vous faites quand même partie des personnes qui sont le plus sollicitées. Alors, quel est votre secret? Bon, je pense que ça, tu ne me frappes pas. Hein. Sinon, je ne pense pas que je sois le plus sollicité. Dans le Guémo Cavali, mais si je suis plus sollicité, ce n'est pas parce qu'il y a des moyens que tout le monde a. Moi, je ne peux même pas arriver à chérir de certains pères, de certains grands frères comme les CD d'autant hein, en matière d'économie et tout. Il y a plein de grands frères, mais c'est dû à ma proximité avec la jeunesse, par exemple, certainement. Parce que moi, par exemple, il n'y a pas de mur de glace qui me sépare de la jeunesse. Peut-être que ça, je suis constamment ensemble avec eux. Donc, peut-être que je suis tout facile de. Voilà. Il n'y a pas de problème d'accessibilité à d'autres personnes. Oui, mon bureau est ouvert, tout le monde ici, il n'y a pas de protocole. Le secrétariat là-bas, même, regarde pas, c'est grand, on est ensemble. On finit ensemble, on prend nos petits pots, et puis on se sépare. Mais quand même, j'aime aider. Il y a ça aussi, j'aime aider, j'aime partager. Et tu fais une confidence. Et là, tu vois, il était dans mon lit, tu vois, sur mon compte, tu vas même pas voir quelque chose. Hein. Quand ça rentre là, ça quitte au conseil, ça vient, ça quitte à la soirée, ça vient, là, ça sort en même temps. C'est-à-dire, c'est comme moi, en matière de budget, gestion budgétaire. Les entrées sont égales aux sorties. Quand ça rentre, ça sort. C'est comme ça. J'aime aider, franchement, j'aime aider. Parce que pourquoi les gars disent, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi j'aime aider. Moi, j'ai souffert pour ça. Confronté au village, on disait parfois, on a des grands frères qui travaillent, ils sont bons, ils travaillent, mais ils n'aiment pas les gens. Les gens ne fréquentent pas chez eux. Moi, j'ai souffert pour ça. Du collège au campus, je n'ai jamais connu de tuteur. Parce que je n'en avais pas. Il n'y a personne qui m'aide. Quand je suis descendu, je suis descendu pour la première fois, je suis descendu à garder 7 ans maman à Gamay. Je suis parti au campus, on m'a indiqué le campus, j'ai emporté le Baka, j'ai descendu au campus. Avant, c'est l'être. On est arrivé au campus devant le bâtiment ST. Vous savez, il venait au campus encore, au sous-sol. Je suis arrivé là-bas. C'est comme ça, progressivement, des jeunes frères, comme mon beau William, tous les jeunes frères ont commencé à venir au campus, j'ai commencé à les héberger. Et c'est ce qu'ils ont continué. C'est pas aujourd'hui à commencer. Les gens pensaient sur lui, c'est pas aujourd'hui à commencer. C'est pas aussi forcément pour des raisons politiques. J'aime aider, j'aime. Chez moi, il n'y a même pas seul. Il y a tout, même le chauffeur, on est ensemble. Et c'est pas mon issue. Tout mon staff, le gars, il s'en plaint toujours. Faut te mettre à l'étape pour dire non, non, moi, il ne sait pas faire ça. Donc, voici, c'est ma proximité à la jeunesse, à tout le monde. Voilà, c'est ça qui est en train de payer un peu. Ce n'est pas pour des raisons forcément politiques. Voilà. Président, nous sommes, comme je l'ai dit, à la fin de notre interview. Les élections législatives préparent résolument votre brillante victoire. C'est quel appel que vous pouvez lancer à vos électeurs? À mes électeurs, je demande à mes électeurs de me faire confiance. Et je demande à tous les partisans de me faire confiance. Parce que moi, je ne trahirai jamais. Je ne sais pas trahir. Parce que je ne veux pas qu'on me trahisse. Depuis 2013-2014, il y a des jeunes qui sont restés encore moi qui sont à moi, comme le Taïlo, Martial, Loïc Landry, ainsi de suite. Mais ils sont toujours à moi. Il faut que tous ces jeunes-là aient confiance en moi. Ils n'ont pas trahi. Moi, je ne trahis pas. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on me trahisse. Il faut qu'on soit tous ensemble. À mes dirigeants aussi, à mes frères, à tous les dirigeants qui ont écouté ça, je leur dis, je vais leur lancer un message de paix et de cohésion dans le département, dans la région, pour le bien-être de nos populations. Il faut que aussi j'arrête de manipuler tous nos jeunes frères sur des réseaux, un petit de suite. Il faut plutôt les trouver du travail à faire, c'est mieux. Moi, je n'ai jamais donné une instruction à quelqu'un sur les réseaux pour vous parler mal à quelqu'un. S'il a fait, c'est pas. Il faut qu'en nous,
on soit frère. On peut avoir des points de vue divergents au plan politique, mais nous restons des frères. Nous sommes nous restons des frères. On a beau nous pour les dire ça. On a beau nous quand c'est bon, c'est ça. Mais quand on sort, chacun peut aller de sa position politique. Mais nous, nous restons frères. Génétiquement, de ouais, on est frères. Voici le message que j'ai à lancer, des cohésions de paix que j'ai que je laisse transmettre à tous nos frères, à tous les leaders politiques. D'accord, président, merci beaucoup. Nous sommes sur le plateau d'une émission en ouais. Et vous aussi, vous allez terminer en ouais encore une fois de plus. Vos voeux en ouais à tous les ouais. Je sais bien. Avant de terminer, je sais bien parler de ouais. Et puis, je parle bien le guéret. Je parle à guéret, mais puis à Robert. Puis, je joue Robert, guéret. C'est ça. On ne m'en boit, nous. Autour de la potille, on ne m'en a. On a une entière. Parce que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. 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 Mes parents m'attendaient de Bangoro et tout le peuple guéré. Bon moi nous on est capable de là où il y a des lunettes mais nous c'est vrai la couleur des mon papa il dit oui qu'on nous cadre c'est lui on a besoin ailleurs bon merci. D'accord président, on termine juste encore quelques secondes votre message en ouais par rapport aux élections législatives, l'ancien appel encore en ouais. Finalement il a lancé beaucoup d'appels hein. Vos électeurs encore non mais là c'est on vient bien nous on mange bien. T'as tout son du bout, nous captons nos cadets, politique des points sont longs. Alors tout le monde est oui, donc il y a rien au mondial car sous la moitié il s'est retiré à bon se maintenir car qui a sa tour sur lui sur les liens de pouillasson donc il y a rien pour dire au mondial pour qu'il y en a ton emblé et lui moquer à moyen mon gars car ma boîte à boîte non la boîte à boîte à boîte à boîte. Merci président, nous avons été très heureux de passer ces quelques minutes avec vous. Vraiment que Dieu vous bénisse et puis bonne chance à vous. Amen, merci, cher frère.